Bonsoir. On va commencer. Merci d'être venus. Ceci est la soirée numéro 1 du Enterprise Design Paris Chapter. Donc, on va parler de design d'entreprise. Une question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas français? Is there someone here who doesn't speak French? No? Excellent. Excellent. Parce qu'on a tout préparé en français en fait. Ouais, donc voilà, donc moi je suis Milan Guenther, ça c'est Pauline. Et Pauline est la fondatrice de ce lieu. Et on va commencer avec une petite introduction de ce lieu pour ceux qui ne connaissent pas. Après, je vais vous parler un tout petit peu de EDA, les Enterprise Design Associates, on est l'organisateur de ce soir. Et après, on a deux orateurs aujourd'hui, Chris Potts et Marie Girard-Choppinet. Et elle est là, donc voilà, donc ça, tout est bien. Et voilà. Merci d'être venu après. On va tous nommer plein de donc j'espère que vous êtes prêts pour une petite saison à l'été, avant l'entrée. Alors, le laptop, rapidement, parce que j'en parle beaucoup tous les jours, là, surtout aujourd'hui, parce qu'on est à notre deuxième événement. Donc on vous accueille ici, donc c'est composé de plusieurs espaces et Milan fait partie des premiers coworker, vraiment tout premier en 2012. Tu as atterri à Laptop à Jourdain, c'était mignon. C'était grâce à Sylvie Doma qui nous avait mis en relation. Donc effectivement à Jourdain on a tout un espace de coworking où Paul et d'autres personnes ici ont résidé ou eu résidé ou résident encore. Donc c'est un bel espace de travail et donc c'est surtout aujourd'hui une belle communauté parce que effectivement c'est bien de travailler dans de beaux espaces, c'est un vrai service qu'on vous rend, mais c'est aussi vraiment se connecter et travailler ensemble. Donc, et du coup c'est vraiment chouette parce que pendant tout le moment où tu étais là, Milan, on a pu travailler sur des projets ensemble. Et Rémi aussi, j'ai oublié derrière, Paul et Alex, bien sûr. C'est tous les anciens là. Donc là, c'est vraiment, donc on a créé toute cette communauté, travaillé sur des projets ensemble. Et donc ce qui est chouette, c'est que Milan, depuis, a vraiment développé toute une pratique. C'est le sujet de ce soir, c'est le design d'entreprise. Et on a pu faire quelques design sprints ensemble avec quelques grandes marques. C'était vraiment chouette et aujourd'hui, bah, disons que le laptop, c'est aussi beaucoup de formations autour de l'UX, du design surtout, et donc comment appliquer les méthodes dans les entreprises pour améliorer les produits et bientôt améliorer elles-mêmes les entreprises. Donc on fait des formations UX, Design Sprint, UI. On va faire bientôt une formation avec Paul Kahn qui était là ce matin sur les data visualisation. Et puis aussi surtout la facilitation parce qu'aujourd'hui peut-être que tu en parleras un petit peu, mais c'est vrai que notre rôle de designer aujourd'hui c'est pas juste de faire, de concevoir, c'est aussi de faciliter le changement. Et donc ça se fait petit à petit dans des petits groupes de travail, mais aussi à une grande échelle qui est l'entreprise. Donc c'est vraiment vers ça qu'on aimerait que les designers aillent. Donc c'est vraiment sur la facilitation. Donc voilà, donc en gros, on organise aussi beaucoup d'événements comme ce soir. Donc inscrivez-vous sur votre meet-up, si vous l'avez déjà, c'est cool. Et donc vous serez avertis, informés de tous les événements qui auront lieu à partir de septembre. Voilà. Merci et merci Milan. Merci à toi. Plaisir. Alors, donc voilà. Donc je vous préviens, soirée numéro 1, c'est le seul mot en français sur mes slides, mais je vais quand même parler en français. Mais je pense que les autres orateurs ont fait un peu plus de traduction, ou même pas de traduction parce que voilà, c'est pas nécessaire. Alors, donc voilà, donc, moi je suis cofondateur d'un groupe, maintenant un réseau qui s'appelle Enterprise Design Associates. Donc L'idée, c'est vraiment d'être un réseau des designers d'entreprise. Donc, c'est des gens qui designent l'entreprise. Donc, ce n'est pas seulement des logiciels pour l'entreprise ou des modèles organisationnels ou le business model, mais vraiment l'entreprise même. Et faire tout ça avec une logique de design. Donc, appliquer le design même sur le niveau d'entreprise et prendre l'entreprise avec tous ses aspects comme matériel du design. On est implanté ici, ça c'est moi, avec quelques partenaires et des associés avec qui on travaille ensemble. Et après, on a dans le réseau, on a une équipe un peu repartie dans le monde, plutôt Europe, mais ça commence aussi à grandir ailleurs. Et après, il y a des agences et des organisations de conseils partenaires et aussi des praticiens qui travaillent dans les entreprises pour faire changer les choses, on peut dire. C'est souvent un peu des rebelles dans leur entreprise qui dépassent les silos, qui osent parler aux autres parties prenantes et qui veulent changer les choses. Donc voilà, le réseau est assez ouvert. Il y a ce lien de Join pour nous rejoindre et pour commencer, c'est juste notre Slack en fait. Et là, tout se passe de là-bas. Le réseau marche comme ça, il y a des experts indépendants et des sociétés de conseil d'un côté, et après il y a des entreprises. L'entreprise, on comprend comme un mot, c'est un projet ambitieux, donc ça peut être une entreprise privée, grande, une grande compte, mais ça peut aussi être un start-up, notamment un scale-up, donc des start-up qui ont des problèmes de croissance et de comment ils se structurent, et des organisations publiques. Et tout ce qui n'est pas dedans, comme, je sais pas, des NGO, choses comme ça, non, aussi. Si l'entreprise n'est pas bien designée, on appelle ça EndOrg, Enterprise Awkwardness. Si par exemple vous pensez à votre dernière rencontre avec l'opérateur télécom, peut-être avec l'administration publique, ou transplantation, donc tout, si quelque chose ne marche pas, si les services ne marchent pas, si les produits ne sont pas faciles à trouver, ou si ils vous faites basculer entre différentes personnes ou différentes personnalités, ça c'est la Enterprise Awkwardness. Et on a créé ce bot sur Twitter qui s'appelle EndOrg aussi, donc si vous taguez quelque chose sur... EndOrg, sur Twitter avec EndOrg, comme par exemple Wally, qui n'aime pas trop des logiciels utilisés dans les entreprises, le bot va le retweeter. Voilà. Donc, et c'est pas encore, ça c'était tous les débuts, donc c'est pas encore viral, mais on travaille sur ça, bottom-up. Donc voilà, l'idée de design d'entreprise, c'est vraiment, les designers, on est très très bons dans le design de produits. On design des prototypes, peut-être aussi des services, on fait des concepts, on travaille avec de l'idéation et des blueprints, des modèles conceptionnels. Mais il y a un problème si on ne regarde pas en même temps et pas après l'entreprise qui est chargée avec l'implémentation de tout ça et les process, l'organisation, les parties prenantes, leur intérêt et l'architecture d'entreprise. Donc l'idée du design d'entreprise, c'est de faire tous les deux en même temps. Comment faire ça et pourquoi faire ça? Donc apparemment c'est assez difficile de délivrer vraiment des expériences bien designées parce que ça dépend pas seulement de notre design produit, design interface, design écran, design logo, UX et tout ça, mais il y a une sorte de complexité émergente qui est là parce que l'entreprise consiste de beaucoup de petites parties. Donc aujourd'hui, on va parler de tout un tas de choses, je pense, de ces petites parties de l'entreprise qu'il faut transformer pour implémenter un design à l'échelle et pour vraiment délivrer des expériences bien designées. Donc ce qu'on a fait chez EDA, c'est qu'on a mappé cet espace de transformation d'entreprise, innovation-transformation. Donc ça c'est notre framework, l'Enterprise Design Framework, où il y a les deux axes. Donc il y a soit les entreprises veulent créer et adopter quelque chose de nouveau, donc ça c'est l'innovation. Et pour ça, il faut transformer tout ce qu'ils ont déjà, donc leur marché, et leur fonctionnement interne. Et qu'est-ce que fait le design dans cette logique? Le design est bien pour découvrir des opportunités et développer des solutions. Donc ça, c'est l'espace qu'il faut naviguer. Pour ça, on utilise une langue qui est représentée avec des petites icônes et qui était sujet du livre Intersection que j'ai écrit au laptop, pas ici, mais vers Jourdain, et qu'on a publié en 2012, qui explique tous les aspects qui sont pertinents pour le design d'entreprise et qu'on utilise pour naviguer entre l'échelle locale, ce qu'on appelle le rendering, donc tout ce qui est tangible, comme les applications, des écrans, des espaces, des logos, et ce qu'on appelle le big picture, donc le cercle extérieur avec l'identité de marque, la culture, l'architecture d'entreprise et les expériences clients ou employés ou rôles. Et entre les deux, on a des espaces conceptuels pour faire le pont. Donc ça, c'est au centre du framework. Je ne vais pas trop parler de ça aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par le framework, donc on a ce langage au milieu et après, il y a des outils pour des situations particulières dans le design d'entreprise. Donc la recherche, ça c'est le scan, la modélisation d'entreprise, donc des blueprints et des journey maps, des process maps et tout ça, c'est le langage de modélisation des scénarios. On a un design sprint, un enterprise design sprint qui est adapté à la complexité qu'on trouve dans le design d'entreprise et aussi un enterprise design system pour concevoir des systèmes de design, des design systems pour d'autres designers dans une organisation pour mener des changements eux-mêmes en utilisant ce système. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez juste écrire un mail vide à kit.udr.cx, un peu petit, c'est à gauche là. Vous pouvez écrire quelque chose ou pas. Et on va vous mettre sur la liste quand on fait le release et quand on l'annonce. Donc voilà, ce langage, c'est ça, c'est 20 aspects sur 5 niveaux. Et voilà, ça vient de l'identité de marque jusqu'au rendering, identité de marque, architecture, expérience, c'est la big picture, et puis le rendering, c'est le niveau tangible. Et entre les deux, on a des aspects conceptuels comme le business, les acteurs, les journeys, les touchpoints, l'organisation, l'opérationnel, le design, l'interaction, et tout ça. Et souvent dans les projets, il faut juste être conscient quels aspects sont pertinents pour notre enjeu et quel aspect peut être encore plus important on peut mettre à côté pour le moment. Donc aujourd'hui, on va couvrir pas mal des aspects déjà avec nos deux orateurs invités. Donc on va avoir Marie qui parle d'une perspective contenue qu'il a dans l'anatomie, donc deuxième niveau à droite, et faire le cercle, comment utiliser le contenu pour une transformation d'entreprise. On a Chris Potts qui est expert mondial de investissement d'entreprise, donc part plutôt d'une perspective investissement, engagement des leaders et une perspective business, mais fait aussi le cercle vers l'architecture d'entreprise, vers la structuration. Donc deux perspectives complémentaires et je trouve très intéressant sur le sujet du design d'entreprise. Et voilà, et on veut bien répéter ce format à la rentrée. Voilà. Commencer une petite série de design d'entreprise à Paris en français, parfois avec un accent. On organise une conférence chaque année qui s'appelle Intersection, comme le livre. La prochaine, c'est à Lisbonne, le 17 et le 18 septembre. Si vous utilisez le code FRENZ15, vous avez 15% de réduction si vous voulez venir. Et voilà, c'est 2 jours, c'est 2 tracks, il y a des masterclass, il y a des, le programme est déjà en ligne. Et vous trouvez aussi des vidéos de des éditions passées, il y avait 5 éditions. Vous trouvez ça sur le site intersectionconf.com. Voilà, et pour finir, on fait aussi des formations. Et donc on travaille actuellement sur un parcours de formation et certifiant sur le design d'entreprise, surtout parce que le marché le veut. Voilà, ça commence avec un Getting Started, ce qu'on va organiser le 21 octobre ici. Donc ça sera fait pour les designers produits, designers UX, designers d'interaction au service. Et de là, il y a la formation Sprint Master, donc ça c'est 2 jours pour comprendre comment utiliser un design sprint au niveau de l'entreprise, et après on travaille sur des niveaux plus costauds de certification avec des cours de blended learning de 6 semaines. Voilà, ça c'est moi, et je pense qu'on va commencer avec Chris. Merci pour votre attention.